today's stars, tomorrow's leaders. Bienvenue dans Campus Sport. On est ensemble pour une heure d'émission. Je suis ravie de vous retrouver avec nous en plateau. Comme pour chaque numéro de Campus Sport, nos consultants Pierre Fula et Jean Dury. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais aussi une nouvelle recrue dans l'équipe. On souhaite la bienvenue à Émilie Lois. Salut Émilie. Bonjour Julie. Vous êtes consultante tennis pour Eurosport et on va vous retrouver tous les mois pour Campus Sport puisque vous allez partir à la rencontre des sportifs engagés dans les championnats du monde universitaire. On a commencé dans la douceur avec du tennis. Ça me va parfaitement. Normalement, je maîtrise ce sujet. Encore que, on verra. On verra, on en reparle en tout cas dans un instant. D'abord, c'est le sommaire de cette émission. Nous débuterons avec la présentation d'une épreuve unique au monde, le tournoi de tennis Masters U dont la dernière édition se disputait à Aix-en-Provence. Nous parlerons de la répartition géographique des championnats du monde universitaires marquée par une tendance à l'internationalisation. Enfin, nous vous aiderons à mieux comprendre le fonctionnement et les défis du sport scolaire au travers de ses principales organisations. Et puis pour commencer, peut-être un petit mot des JO de Sochi qui s'achèvent. Votre sentiment sur ces JO à tous les trois, parce qu'il y a quand même des champions universitaires, d'anciens athlètes universitaires qui se sont illustrés à Sochi. Qu'est-ce qui vous a marqué, chacun de vous trois? Au lieu de ce cas particulier des universitaires qui ont été médaillés, ce qui est toujours intéressant, ça a été une organisation technique parfaite. Ça, vraiment, il faut le reconnaître. Et puis, comme toujours, énormément d'émotions. Si on laisse de côté le fait que nous avons tendance à être enfermés dans notre bulle olympique, alors que pendant ce temps, il y a des événements dans le monde qui se produisent. Mais donc, beaucoup d'émotions, et en particulier, je voudrais souligner, parce qu'on en a si peu parlé, la remarquable performance des skieurs de fond français. Les hommes, une superbe médaille de bronze à leur relais, les filles, quatrième, donc près de la boîte, comme on dit, mais dans la dernière épreuve, le 30 km, une sixième et une septième place pour Aurore Jean et Coraline Hugues, dont personne ne parle et qui est tout à fait remarquable. Émilie, un petit mot. Moi, j'ai adoré parce que je trouve que c'est sur ce genre de jeu, ça permet aussi de découvrir des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir tout au long de l'année. Notamment, moi, je suis assez sensible au bobsleigh. Et j'ai trouvé que voilà, c'était bien expliqué, j'ai trouvé ça sympathique, et les médailles, notamment celle de Mattel au saut à ski. Voilà, première fois qu'il y a le saut, je trouvais une nouvelle fois beaucoup d'émotions, ouais. Et je trouve que tous ces sportifs ont réussi à nous faire vivre, même nous, derrière notre téléviseur, de l'intérieur, ces jeux. Donc bien, et puis alors, et sur le nombre de médailles records, Mais il y a de nouvelles disciplines, donc ce qui fait que... Du record pour la France. Voilà, tout à fait. Oui, quand parce que je sais que les médias perpétuent ce record de 15 médailles, c'est un peu exagéré, parce qu'à Vancouver, il y avait 12 disciplines en moins, donc il y a eu beaucoup de médailles dans des disciplines comme le saut à ski, par exemple, féminin, avec la petite Colline. Je veux dire, ça s'ajoute aux médailles classiques. Donc il n'y a pas un énorme succès de la délégation française, néanmoins, on est dans les 10 meilleures nations du monde. On n'a pas de patinage de vitesse, on n'a pas de short track, on n'a pas de bobsleigh et la luge. Sous ces disciplines, ces niches, j'allais dire, où certains pays se gavent de médailles, c'est le cas des Pays-Bas. Vous vous rendez compte, ils ont fait 27 médailles au patinage de vitesse. Vous ne pouvez pas lutter avec ces pays-là aux Jeux Olympiques. C'est impressionnant. Et donc, en gros, moi j'étais surpris et étonné par la brillante, d'abord le tiercé français au ski cross, qui est une discipline très spectaculaire, et même, j'allais dire, Luc Alphand, qui a assisté à cette épreuve, a été bluffé. Bluffé parce que c'est un spectacle permanent. Voilà. Alors, les JO de Sochi, ça y est, c'est fini. En revanche, les championnats du monde universitaires, ça va bientôt démarrer. On va justement s'y intéresser. C'est une nouvelle saison de championnat qui s'ouvre. On va faire un état des lieux pour commencer avec ce sujet signé François Delmotte. –
Lausanne, en Suisse, au siège de la FISU. Comme chaque début de saison, la Fédération internationale des sports universitaires fixe ses nouveaux objectifs pour l'année en cours. Après les Universiades en 2013, place cette année au championnat du monde. La FISU en organise 29, répartis dans 22 pays à travers le monde, y compris au Moyen-Orient et en Asie. C'est excellent parce que historiquement, les championnats du monde universitaires sont organisés en Europe. Environ 70% des épreuves ont lieu en Europe. Et pour la première fois, nous disputerons hors du continent le floorball, par exemple, qui est un sport prédominant en Europe. C'est la première fois que cette discipline s'exporte et elle va à Singapour. Des sports demandent à sortir de l'Europe, donc c'est également particulièrement important pour nous car les fédérations internationales veulent avoir une portée globale. Parmi les 22 pays organisateurs, 5 accueillent des championnats mondiaux pour la première fois. Abu Dhabi pour l'équitation, Singapour pour le floorball, le Bélarus pour le canoë, l'Inde pour le squash et la Malaisie, le woodball. On a maintenant à peu près 40 sports. En termes de participation, c'est très intéressant parce que davantage d'élèves sont en mesure de faire davantage de sports. Avant, il y avait peut-être un programme très réduit, mais ça s'est développé. Avant, les élèves ne pouvaient s'affronter qu'à un niveau local. Maintenant, leurs tournois se disputent à un niveau international. Il y a des équipes venant d'autres pays, de partout dans le monde. Certains championnats du monde accueillent près de 700 athlètes étudiants. La demande est telle que plusieurs pays peuvent se positionner sur les mêmes compétitions. Et parfois, il y a des surprises. C'est super de voir des pays s'intéresser à des sports qu'ils n'organisaient pas traditionnellement. Un bon exemple, cette année, nous allons avoir les premiers championnats du monde universitaires de football américain. Et le pays qui les accueille est la Suède, un pays qui ne viendrait pas à l'esprit en premier pour cette discipline. Mais en même temps, je peux vous dire qu'ils font un travail absolument incroyable. Et je suis sûr qu'ils vont préparer une superbe épreuve et qu'aucun des participants ne sera déçu. Objectif de la FISU, promouvoir des pays membres. Mais aussi promouvoir le sport dans de nouveaux pays, comme à Singapour. Je suis très enthousiaste à propos de Singapour parce qu'on amène un sport européen dans une région asiatique et ça provoque un énorme intérêt dans cette région. D'autres pays voisins ou un peu plus lointains comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Malaisie, la Thaïlande sont très intéressés, ils veulent participer. C'est excellent parce qu'on contribue aussi au développement du sport. C'est un aspect important pour la FISU et particulièrement pour les championnats du monde qui doivent aussi aider à développer certains sports. La FISU veut ouvrir de nouvelles voies pour ses sports, comme le Festival des sports de plage, ou encore le basket 3 contre 3 au Brésil. De belles initiatives qui se multiplient. Vous savez, le monde change très vite, les universités changent extrêmement vite, et les étudiants sont des zappeurs. Donc, le sport étudiant doit être prêt à tout ce qui peut se passer dans l'avenir. Et donc, on prépare ça. L'année dernière, la FISU a passé la barre des 300 championnats du monde. En mars prochain, c'est l'Ouganda qui ouvrira la saison avec le 320e championnat du monde de la FISU, du cross-country. Et Campus sera de la partie. L'Ouganda pour du cross-country dès le 22 mars. Et puis la France organisera, elle, cette année, les championnats du monde d'aviron. Ce sera à Gravelines, dans le Nord, en septembre. La France, d'ailleurs, qui a reçu les meilleurs joueurs de tennis de la planète. Ça se fait tous les ans depuis 2006. Je parle bien sûr des masters universitaires. Certains vont devenir de futures stars du tennis. D'autres, par contre, vont rester d'éternels amateurs. En tout cas, tous ont des points communs. Ils sont jeunes, étudiants, ils veulent gagner, passionnés de tennis évidemment, mais ils ont aussi de grosses différences. On vous les présente, regardez. À l'origine de cet événement unique au monde, on retrouve la Fédération française de sport universitaire. Son président nous explique ce que sont les Masters U de tennis. C'est un tournoi universitaire mondial avec les meilleures équipes universitaires dont la Chine, les États-Unis, la France. Et ça représente ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au niveau universitaire et au niveau de la double excellence, l'excellence de l'esprit et l'excellence du corps. Un gros niveau de tennis illustré en partie par la présence des meilleurs universitaires américains.
Aux États-Unis, les meilleurs espoirs sont les étudiants et la présence de la numéro 1 universitaire des États-Unis relève le niveau du challenge pour les autres étudiants. La compétition est vraiment très élevée, avec beaucoup de surprises. C'est vraiment très différent de l'université, parce qu'à l'université, je rencontre toujours les mêmes joueuses. Ici, on ne connaît personne. Et vous savez, c'est vraiment différent. Elle est tellement douée. Je l'appelle la petite cacahuète qui joue comme une grosse noix. Elle a de la vitesse et elle est intelligente. On a vraiment de grands espoirs pour elle. Robin et ses coéquipiers ont la chance d'être entourés par un coach d'expérience qui a notamment entraîné des joueurs comme Andy Roddick ou Serena Williams. Il fixe le cap. Ça marche parce que beaucoup de nos joueurs qui ont participé à ce Masters U ont joué ensuite sur le circuit ATP ou WTA. Et l'objectif pour eux, ce n'est pas seulement d'être des joueurs de niveau mondial, mais de jouer pour les États-Unis en Coupe Davis ou en Fed Cup. C'est ça l'idée. Je suis en troisième année. Après ma quatrième année, je me consacrerai exclusivement au tennis. Depuis plusieurs éditions, les épouvantails du tournoi sont les États-Unis. Mais cette année, une autre délégation est venue chargée d'ambition avec dans ses rangs des joueurs de haut niveau. Les Chinois présentent en particulier chez les femmes des joueuses qui sont classées parmi les 150 meilleures mondiales en individuel et en double. Donc le challenge est important vis-à-vis de la Chine. L'équipe de France a remporté 3 éditions de ce tournoi, les deux premières en 2006 et 2007, puis en 2010. Depuis, 2 succès américains, l'émergence de la Chine et le retour de la Russie au plus haut niveau universitaire poussent au pragmatisme. Le tirage au sort nous a pas été très favorable puisque nous jouons l'équipe de Chine qui a le poids d'équipe le meilleur. Donc une place dans les 4 premiers serait un très bon résultat. Pourtant, c'est bien la France qui va créer l'exploit d'éliminer la Chine après 7 matchs d'une grande intensité, comme celui entre Bei Yan et son adversaire en simple, Grégoire Jacques. Merci beaucoup. Fait plaisir. Yeah ! Le Chinois jouait très bien, je pouvais rien faire du tout et je me suis accroché, ça a tourné. D'autres personnes qui m'ont encouragé, des gens qui ne me connaissaient même pas, donc ça c'est assez agréable comme sensation. Et ouais, l'équipe m'a vraiment aidé jusqu'au bout et c'était génial. En demi-finale contre les États-Unis, la France n'aura guère la chance de rêver après le score sans appel de 6 à 1. Les Américains sont ensuite opposés en finale à la Russie, déjà vainqueur en 2008. Julia, 19 ans, est une des plus jeunes de l'équipe. Elle voit ce tournoi comme un tremplin, une étape avant le grand bain. Mon rêve, c'est de jouer la Fed Cup. C'est ma prochaine étape. J'espère dans 3 ans. En tout cas, c'est mon rêve. Mais ce sont bien les États-Unis qui remporteront une 4e victoire en 8 éditions. Mais qu'importe le résultat final, ici l'essentiel était de participer, de vivre un moment en équipe, entre étudiants, avant peut-être de les vivre en tant que professionnels, dans le civil ou dans le sport. Alors Émilie Lois, vous avez rejoint l'équipe de Campus, bienvenue. Vous êtes consultante Eurosport, ancienne joueuse de tennis, 27e mondiale, mais désormais manager des moins de 16 ans. D'abord, un peu pour rebondir sur ce reportage, est-ce qu'on a des chances de voir toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles, un jour évoluer en grand chelem ? Moi, ça dépend en fait des joueuses. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu, il y a différents profils. Il y a à la fois la Française Nathalie Picon qui a 25 ans, qui a été 170e joueuse mondiale. Donc on aurait plutôt tendance à penser que sa carrière est derrière elle et que maintenant elle se concentre aux études. Après, aux États-Unis, on se rend compte que voilà, il y a une vraie appartenance à l'université. Le sport est mis en avant, c'est même une priorité, même au niveau du recrutement. Et tout à l'heure, il y a quelques beaux exemples, notamment Julie Coin, qui a été en université en France, qui a fait STAPS quand elle avait 18 ans, à la sortie de son bac. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas faire les deux en même temps. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de rejoindre les universités américaines. Et c'est vrai que dans son explication, c'est un petit peu à la carte, quoi. Quand elle doit faire, par exemple, elle a une heure de maths à faire, il y a des créneaux soit le matin, soit l'après-midi. Donc ça dépend en fait de son programme tennistique. Donc là, vraiment, tous les moyens sont mis en œuvre aux États-Unis pour pouvoir faire justement les deux. Et elle, en l'occurrence, a fait tout son cursus scolaire et a été 60e mondiale. Donc là, pour le coup, là, je vous réponds oui. Et sur les joueuses et les joueurs qui ont été présents ici, notamment, on a vu Grégoire Jacques, qui est 880e, qui a 21 ans.
Donc voilà, on peut espérer que pour ce genre de joueurs, c'est pas un classement incroyable, mais bon, on peut espérer que pour ce genre de joueurs, un jour, on puisse les retrouver en grand chelem. Mais voilà, concilier les deux en tennis, de toute façon, ça reste toujours un problème, puisqu'on devient professionnel normalement très très tôt. Concilier les deux, c'est pas simple. Quel est l'intérêt de ces masters universitaires? C'est tout simplement pour faire une rencontre par équipe, pour préparer les grandes échéances. Pour les organisateurs, c'est fabuleux, c'est d'avoir par exemple les États-Unis, la Russie, des grandes nations. Donc déjà, ça montre l'importance que les grandes nations ont pour cet événement. Donc ça c'est intéressant. Et c'est vraiment pour être pour préparer les grands événements, pour apprendre à vivre en équipe, parce que là, ce sont les premières rencontres. Et surtout, comme on a vu dans le reportage, une Américaine qui a dit souvent, on joue entre nous, on a toujours un petit peu les mêmes adversaires. Là, ça leur permet d'aller se confronter, de voir ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait de bien. Donc voir un petit peu où elles en sont dans leur progression. Vous pouvez nous parler un peu de la sélection, comment ça fonctionne ? Sur les 8 équipes qui sont présentes, en fait, ils envoient un petit peu, ils recensent plusieurs universités, ils envoient un peu comme un appel d'offres, entre guillemets, et en fait, ils prennent les 8 meilleurs. Et donc, une nouvelle fois, à partir du moment où la Russie répond présent, les Américains, ça montre que voilà, cette compétition a de l'importance, et voilà comment se fait la sélection. Alors, on ne lutte pas vraiment à armes égales avec les Américaines. Enfin, comment ça se passe dans les universités françaises et dans les universités américaines? Là, ce sont deux modes complètement différents. Il y a 3 CNUT, en fait, en France, 3 centres universitaires tennis. Donc voilà, c'est compliqué. Une nouvelle fois, aux États-Unis, c'est fait en fonction du tennis, et le recrutement est fait en fonction du tennis. Il y a une vraie appartenance à l'université. Qu'en France, franchement, c'est de la débrouille complète, parce qu'en fait, il y a des gens qui font du tennis, mais qui ne font pas forcément les mêmes études. Donc au niveau de l'organisation, au niveau du programme des études, les horaires varient. C'est moins structuré. C'est beaucoup moins structuré. Et justement, j'ai contacté Charles-Antoine Brézac, qui avait commencé un cursus pour être avocat, qui ensuite a commencé une carrière, et qui a arrêté sa carrière pour finir justement et valider son diplôme dans un an. Et lui, il a été 235e mondial quand même, tout en restant en France. Mais il m'a dit, voilà, j'ai de la chance d'avoir du talent, mais alors au niveau des entraînements, j'ai essayé de trouver des sparring partners un petit peu à gauche, à droite. Je m'entraînais seulement 2 fois par semaine. Donc j'ai eu la chance de m'entretenir de cette manière. Mais en gros, après, ça dépend où on place le curseur, qu'est-ce qu'on appelle le très très haut niveau. Mais si on appelle le très très haut niveau participer au tournoi du Grand Chelem, par exemple, en France, clairement, en tout cas, je dis bien, une nouvelle fois pour le tennis, c'est quasiment impossible. Pourquoi c'est si difficile de concilier pratique d'un sport à haut niveau et puis un cursus classique à l'université? Parce qu'en tennis, ce qui est compliqué, c'est que déjà, on joue quasiment toutes les semaines. Il y a une période creuse, c'est de préparation, c'est en fin d'année. Donc, il y a juste eu 1 mois et demi de pause. C'est un sport qui est professionnel très, très tôt, où vous gagnez de l'argent. Ou par exemple, une fille comme Nathalie Dechy, qui avait eu son bac à 13 ans, donc qui reste quand même un exemple, qui est vraiment fan des études. Elle avait voulu commencer un cursus par correspondance, puis elle a très vite compris que déjà, les examens, c'est en mai, il y a Roland-Garros, après, il y a l'US Open. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir un sport où on a 4 tournois du Grand Chelem plus un Masters. Donc on a des échéances qui sont étalées durant toute l'année. Toute l'année, ouais. Donc autant dire que voilà, concilier les deux, c'est pas simple. Merci beaucoup, Émilie. On vous retrouvera tous les mois dans Campus Sport, puisque vous allez tester pour nous des sports universitaires, en tout cas, qui auront leur championnat du monde. Vous partez sur quelle discipline ? Écoutez, je vais essayer de tester des sports qui sont un peu méconnus, en tout cas pour moi. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, le floorball, voilà, qui est un sport de cross, qui est bien structuré. Il y a un vrai championnat à Paris, donc je vais les contacter justement pour vous faire découvrir ce sport. Le floorball, tout un programme. Rendez-vous donc dans un mois. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous pour la deuxième partie de Campus Sport. On va parler du sport scolaire. Est-il la base du sport universitaire? En tout cas, on va en débattre. C'est dans quelques minutes. Restez avec nous sur Eurosport. De retour dans Campus Sport, toujours avec nos consultants Pierre Fula
et Jean Dury. Et puis nous accueillons notre invité, Laurent Petrinka. Vous êtes directeur de l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup dans cette émission du sport universitaire, de ses temps forts, les universiades, les championnats du monde universitaire, évidemment, toutes ces compétitions. On s'est dit que la base du sport universitaire, c'était sûrement le sport scolaire. On va peut-être d'abord rappeler ce que c'est que le sport scolaire. C'est pas le PS. Qu'est-ce qu'on entend, Laurent Petrinka, par sport scolaire ? Alors, le sport scolaire, c'est la continuité de l'éducation physique et sportive. Ce qu'il faut comprendre dans le système français, dans le système éducation nationale, c'est que c'est d'abord l'éducation physique et sportive de l'âge de la maternelle jusqu'au niveau du bac, pour une moyenne de 3 heures, parfois 4, d'éducation physique et sportive. Et dans la continuité, les élèves ont la possibilité de choisir librement une pratique supplémentaire. Et c'est vrai que pour le collège et le lycée, c'est ce que je représente aujourd'hui, l'Union nationale du sport scolaire, les élèves peuvent choisir de pratiquer 3 heures supplémentaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. À quel moment de la semaine ? C'est sur des temps libres ? Généralement, c'est le mercredi après-midi, mais de plus en plus, des organisations ont lieu le soir, sur le temps méridien. Donc en fait, ça dépend de l'organisation locale, en fonction des enseignants d'éducation physique et sportive, oui, des installations et des sports. Oui, parce que c'est eux qui, effectivement, s'occupent de ces heures de sport scolaire. Voilà. Ça fait partie la particularité du modèle français, c'est que l'UNSS est basé sur l'obligation, alors que le modèle sportif français, c'est le volontariat de l'association, c'est 1901. Le prof de PS a obligatoirement l'animation de cette association sportive. Le président de l'association sportive, c'est le proviseur ou le principal. Et ça va jusqu'au niveau ministériel, puisque le ministre de l'Éducation nationale est le président de l'UNSS. Alors avant d'aller plus loin, avant de discuter de ce sujet, on va faire un petit point historique avec notre historien Jean Dury. Comment est né le sport à l'école ? Eh bien, ils posaient leurs sacs, ou plutôt ils les jetaient, et puis ensuite, ils essayaient d'atteindre l'autre mur de la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Et c'est comme ça qu'est né le noyau, avec des lycéens de Condorcet, du Collège Rollin, de l'école Monge, qui allait devenir le lycée Carnot. On était sur la rive droite à Paris. Et ça a été le noyau du premier club omnisport français, le Racing Club, en 1882. Et sur la rive gauche, ceux qui s'amusaient soit au Luxembourg, soit aux Tuileries, fondèrent le Stade, c'était un mot totalement oublié, le Stade français aux couleurs rouge et bleu de la ville de Paris, en 1883. Et puis, il y avait un grand bonhomme qui s'appelait Georges de Sinclair, c'était le secrétaire général du Racing, et Pierre de Coubertin l'a rejoint en 1888, et il y a eu une première rencontre interscolaire avec seulement deux joueurs, si j'ose dire, qui étaient l'école alsacienne et l'école Monge, c'est-à-dire des établissements du privé, parce que Coubertin avait une mission par le ministère de l'Instruction publique, mais les gens des établissements publics ne voulaient pas venir vers le sport. Alors 1889, ça va être une année extrêmement importante, c'est l'année d'une exposition universelle à Paris, l'Union des sports athlétiques est fondée, et il y a de nombreuses compétitions à l'été, et le 23 juin, à Bordeaux, un certain docteur Tissier fonde les Landis du Sud-Ouest qui auront lieu jusqu'en 1903 avec des équipes au nom poétique, c'est les Myosotis de l'Aréole, les Coquelicots de Pau, les Boutons d'Or de Mont-de-Marsan. Ainsi naît ce sport scolaire. Et il a une importance par rapport au sport dans son ensemble puisque au début, il y a plus d'associations scolaires que de clubs civils. Mais dès, disons, 1894, on a 70 associations scolaires et on voit l'importance qu'a eu le sport scolaire dans la naissance du sport français. Alors, quand même, un point pour dire que ce sport scolaire, c'est 1 million de licenciés, surtout des garçons. 60% des licenciés sont des garçons, moins de filles que de garçons. Quelle est la mission, Laurent Petrinka, de l'association sportive ? Elle est éducative, cette mission, avant tout ? Alors d'abord sur l'image que vous faites, quel est le premier acteur du sport en France ? Ça c'est une bonne question. Qui prend en charge 12 millions d'élèves sur le territoire français ? C'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça c'est un petit peu une chose qui permet de mettre en perspective les choses. C'est-à-dire que le premier acteur du sport français, c'est bizarrement le ministère de l'Éducation nationale pour 12 millions d'élèves. Après, sur le 1 million, l'UNSS est la troisième fédération sportive. Alors vous dites, c'est vrai qu'elle n'est pas sur la parité franche, puisqu'elle n'est pas à 50-50, puisque dans le système éducatif, il y a la moitié de filles et la moitié de garçons. Elle est à 60-40, mais ce sont déjà des performances importantes au regard d'autres fédérations. Il y a des raisons à cela. C'est-à-dire que nous, on pousse beaucoup des disciplines mixtes.
Donc on fait en sorte, par exemple, qu'en VTT, en course d'orientation, sur des disciplines aussi très portées vers les filles, comme la gymnastique rythmique, comme la danse, nous poussons beaucoup ces disciplines afin que les professeurs d'EPS puissent la proposer le mercredi après-midi. Mais la mission éducative, c'est l'apprentissage. Alors, ça facilite l'apprentissage de certaines valeurs, le respect de l'adversaire. On est sur différentes choses. D'abord, on est sur un sport pour le plus grand nombre, c'est-à-dire un sport de masse, parce qu'à 1 million, on s'adresse à la fois à celui qui a peu de capacité, on s'adresse aussi aux meilleurs élèves. Donc on est d'abord sur des valeurs. Une mission, du sport pour tous. Voilà, une mission sociale. Voilà, je crois que c'est autour de 15 euros la cotisation annuelle. C'est pas plus d'une vingtaine d'euros, donc ça, ça fait un sport très accessible en France. Donc c'est d'abord les valeurs du sport pour tous, mais c'est aussi les valeurs de mixité, c'est s'intéresser au handicap. Par exemple, on fait beaucoup de sport pour les jeunes en situation de handicap. On fait aussi beaucoup d'efforts dans les quartiers prioritaires. Est-ce que... oui, vous vouliez, pardon. Oui, je voulais juste souligner une chose qui est importante, c'est que le sport est une solution à l'échec scolaire. Je pense que vous en conviendrez, beaucoup d'enfants en difficulté trouvent à travers le sport une manière de s'épanouir et de se personnaliser et de faire des progrès dans ce qui concerne leur scolarité. Ça, c'est important. Le deuxième aspect, puisqu'on a évoqué le ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'effectivement, toute cette jeunesse est prise en main par des professeurs d'éducation physique qui sont certes diplômés et compétents, mais ensuite, le lien avec le sport, ce qu'on appellerait la détection du sport de haut niveau, est pour l'instant mal combiné en France. Alors, on va y revenir justement. Jean, vous vouliez dire un mot ? Oui, d'une part, vous seriez surprise, Julie, de savoir que le sport le plus pratiqué, c'est le badminton, avec 160 000 personnes, si mes renseignements sont de sources sûres. Et ensuite viennent d'autres disciplines. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, curieusement, les enseignants d'éducation physique, ils ont été rattachés au ministère des Sports de 1963 à 1981. Mais ils ont revendiqué, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de revenir vers l'éducation nationale parce qu'ils se considéraient un petit peu comme des parias. Il y a tout un processus de création du DEUG, de création d'une agrégation, de création des professeurs de sport qui essayent de les mettre au niveau de l'éducation nationale. Et puis, dernier point, c'est qu'il y a eu un moment absolument clé, c'est pendant que Maurice Herzog était ministre, car à ce moment-là, l'éducation physique était encore l'éducation physique vieux jeu. Et c'est lui qui a tout d'un coup fait qu'il y ait une inflexion vers le sport, car à l'époque, on était sous le coup de l'échec aux Jeux Olympiques de Rome, et il s'agissait déjà, avec le colonel Crespin à la préparation olympique, de préparer peut-être de futurs champions, ce qui était discuté dans le milieu de l'éducation, bien entendu, car ce n'est pas le but premier du sport scolaire. Certes, mais lorsqu'on interviewe des professeurs d'éducation physique, ils vous disent à peu près tout, sauf s'ils sont spécifiquement orientés vers une discipline bien précise, je parle du judo ou du handball, ils sont là pour faire une pratique sportive et non pas préparer des jeunes talents pour le futur. Ça, c'est ce Alors ça, c'est plutôt dans les sections sportives scolaires, anciennement ce qu'on appelait le sport-études, ça a changé de nom en 96. Ce que dit Pierre est très important sur le premier point, c'est d'abord que le sport rend intelligent. Je suis content que vous le disiez, parce que les études enfin le montrent, les études américaines, canadiennes, qui aujourd'hui attestent du fait, pas simplement qu'on est en bonne santé quand on fait du sport, mais aussi qu'on devient intelligent. Et ça, c'est quand même une vraie rupture de paradigme, et je suis content que vous le disiez. Après, sur la détection, c'est vrai que quand on a en charge toute une classe d'âge, c'est-à-dire du moins bon au meilleur, c'est vrai qu'on peut comprendre que le prof de PS doit s'occuper de tout le monde. Mais on a tous le souvenir, nous qui sommes tous des anciens sportifs, du prof de PS qui vient montrer à tel gamin, tu as des capacités dans ce domaine-là, il faut que tu ailles vers le club environnant, etc. Et en fait, on regarde aujourd'hui tous les sportifs de haut niveau, vous le disent, quand on voit Muriel Urtis, quand on voit Nicolas Batum, quand on voit Nicolas Karabatic, ils sont tous venus jouer pour leur club, ils sont tous partis par l'éducation physique et ensuite ils ont été orientés, souvent par le prof de PS, vers le club, vers une disposition plus forte. Justement, la passerelle, elle forte. Se fait comment ? Elle se fait d'abord dans le premier moment qui est le cours au jour le jour. Après nous, fédération, on a des conventions avec les fédérations, donc 48, pratiquement 50 conventions avec toutes les fédérations nationales, sur la formation des enseignants, sur nos championnats, c'est-à-dire que sur nos championnats, ils sont co-construits avec les fédérations pour que, du point de vue des calendriers et du format, par exemple en judo, on travaille sur les catégories avec Jean-Luc Rouget qui est notre ami à la fédération UNSS, on travaille sur la co-construction du championnat de façon à ce que les meilleurs, en fait, ceux qu'on a au championnat de France, puissent naturellement
aller exercer dans les fédérations amies. Oui, le problème, c'est la culture du sport à l'école. Alors, dois-je rappeler qu'en Allemagne, vous le savez aussi bien que moi, aux États-Unis, en Australie et même au Mexique, à 15 heures, les gamins et les jeunes filles sont disponibles pour pratiquer une discipline sportive. Non pas tous les sports, mais ils s'orientent vers un sport. Ce qui fait que, dans certains domaines, on voit émerger une élite sportive dès l'âge de 14 ans, 15 ans. Alors, certains profs sont assez réticents. Ils vous diront, oh, mais attends, il vaut mieux faire du sport, profiter pour la santé, pour la culture, très bien, mais on n'est pas là pour faire des champions. Moi, j'entends ici ou là certaines réflexions de profs de gym, comme on les appelle, hein, et qui disent non, c'est pas notre boulot. Alors, voilà. Faut pas opposer, je crois, le sport de masse et le sport d'élite. C'est-à-dire qu'il est normal de dire qu'on doit s'occuper de tout le monde. Mais ce n'est pas contradictoire avec le fait de faire émerger une élite. Et moi, je connais beaucoup de profs de PS aussi qui ont su détecter, qui ont su montrer à tel ou tel talent qu'il fallait aller vers un peu plus d'évolution. Alors, un peu plus d'évolution, c'est quoi? C'est basculer en club, parce que c'est complémentaire. Il y a plusieurs possibilités. Ou c'est les fameuses sections sportives scolaires. Mais là, est-ce que c'est un tremplin? Est-ce qu'on devient réellement un sportif de haut niveau? Aujourd'hui, je ne suis pas pour un modèle qui consisterait à dire au collège ou au lycée, tous les après-midi doivent être consacrés au sport, parce que les goûts s'affirment et les capacités de chacun s'affirment. Mais pour le gamin ou le jeune adolescent qui a envie de faire davantage, il y a ce que vous appelez les sections sportives, les anciens sports-études, en fait. Aujourd'hui, il y en a 2500 en France. Le sport qui domine, c'est le football. Il y a plus de 800 sections sportives partout sur le territoire français. Et les élèves ont donc la possibilité, en dérogeant à la carte scolaire, de pouvoir être affectés et de choisir tel ou tel établissement pour faire 4 heures, 6 heures de sport supplémentaire. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un sportif de ce niveau-là qui n'est pas aussi en club le samedi et le dimanche, de façon à donner une cohérence entre le parcours de la semaine. C'est complémentaire, en fait, selon vous ? Et le parcours du week-end. C'est tout à fait complémentaire, parce qu'il faut que, du point de vue des études, c'était le sujet de tout à l'heure, le gamin puisse avoir, par exemple, son lycée en 4 ans, en 5 ans, de façon à pouvoir accéder au savoir indispensable pour la vie normale, et aussi pouvoir s'entraîner à haute dose, on va dire, pour pouvoir accéder au meilleur niveau de compétition. Jean Dury ? Oui, moi, il y a une question qui m'intéresse, elle est fondamentale. Vous avez dit au début de ce campus, logiquement, le terreau du sport universitaire, c'est le sport scolaire. Or, il y a eu un autre moment clé, ça a été ce qu'on a appelé la loi Mazot, le 29 octobre 1975. Et Mazot a volontairement séparé très clairement l'UCEP, c'est-à-dire l'Union du sport dans le premier degré, l'UNSS, et d'autre part, la Fédération française du sport universitaire. Et à partir de ce moment-là, les universitaires se sont sentis un peu abandonnés. Donnons une idée des effectifs. Dans le primaire comme dans le secondaire, ce sont à peu près 1 million d'enfants qui font du sport. Encore que, on remarque que dans les collèges, ils sont 70% des enfants, mais dans les lycées, ils ne sont plus que 20%. Donc déjà une énorme déperdition. Et quand arrive le moment du sport universitaire, ils ne sont plus que 100 000, avec tout de même, on l'a souvent souligné ici, de très bons résultats. Comment expliquer cette chute? Justement, comment les faire revenir au sport après le bac? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que chacun est obligé de se battre, chaque organisme. Donc, il a un petit peu tendance, encore qu'il y ait tout de même un passage entre l'UNSS et la FFSU, chacun a tendance à défendre ses intérêts. Et sur la dernière loi que je cite, qui était la loi Avis de 1984, eh bien, à ce moment-là, elle avait ouvert la voie à une confédération du sport scolaire et universitaire. À ma connaissance, celle-ci n'a jamais vu le jour. Alors, Laurent Pietrinka, vous n'étiez pas d'accord? Sur la photographie, d'accord, sur les trois fédérations, mais notre travail est de jouer la complémentarité, parce que moi, je dis toujours à l'interne, à l'UNSS, notre mission est de disparaître. À 18 ans, de toute façon, les gamins, on ne les a plus. Ils passent à la FFSU. Donc, tout notre travail avec cette fédération amie, nous l'avons d'ailleurs par convention, c'est de faire en sorte qu'ils aient nos listings d'élèves de façon à pouvoir les faire venir au sport universitaire. Toute notre génération des jeunes arbitres que nous avons, les jeunes officiels, on en a 120 000. Donc, on travaille avec eux afin que ces enfants puissent être aussi les jeunes arbitres de l'université. On a aujourd'hui des compétitions communes. Nos crosses, par exemple, les crosses les plus massifs, sont faits avec la FFSU. On a aujourd'hui, par exemple, des compétitions junior-senior en sport collectif qui sont faites avec la FFSU. Donc, on essaye les choses. Mais la vraie raison, elle est sociologique. C'est-à-dire que, de toute façon, à l'arrivée à l'adolescence, les goûts s'affirment et le sport diminue en termes de quantité. Les gens y reviennent plus tard, mais c'est vrai qu'à l'adolescence,
de moins en moins de jeunes, et c'est pas dû aux fédérations, c'est dû à l'affirmation des goûts. Aujourd'hui, nos enfants, on en a tous, ils arrêtent sur une période d'âge entre 16 et 18 ans, et il faut de nouveau aller les convaincre de faire autre chose que soit leurs études, comment les convaincre, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour leur donner envie de continuer ? Il faut leur donner l'idée, d'abord, que le stade devient un campus, ce joli nom qui est le titre de cette émission, parce qu'aux États-Unis, le campus, c'est prioritaire. Tous ces gamins, tous ces jeunes qui font d'abord leur scolarité, puis ensuite, bien sûr, à l'université, sont attirés par les stades. Et nous, en France, j'ai le sentiment que c'est géographiquement que ça se passe. Vous voyez, Marseille, par exemple, à Marseille, il y a un club qui s'appelle de Saint-Gilier de gymnastique qui capte tous les gamins, toutes les gamines qui sont dans le secteur de Marseille, et dans les nouveaux collèges et au niveau des collèges. En haltérophilie, à Villeneuve-Loubet, vous avez un lycée, un collège, plus des établissements scolaires disséminés autour. Savez-vous combien il y a d'haltérophiles qui traversent la salle ? Il y en a 150, c'est énorme. Eh bien, si un jour des champions sortent de là, c'est parce qu'ils ont eu le virus du campus, du sport, à l'école et ensuite à l'université. Et le lien va être fait. Mais là, il y a des ruptures que je ne comprends pas. Je crois qu'il faut travailler, moi, sur l'accessibilité. C'est-à-dire que vous signalez tout à l'heure que nous étions à 20 € de moyenne pour faire du sport toute la semaine. Le problème de l'accessibilité, elle est importante pour les étudiants. On a, par exemple, des clubs qui sont aujourd'hui à 250-300 €. C'est très difficile pour des jeunes étudiants de pouvoir se financer ce genre de pratique. Donc 20 € dans le scolaire, alors que le coup d'après, dans un club, ça peut être beaucoup plus cher. Plus une licence de club, donc ça cumule. Hein, parce que la licence de club n'est pas celle du sport scolaire. Une conséquence curieuse de mai 68, c'est qu'en 1969, on a supprimé les facultés. Il n'y a plus que des universités. Ah bah Dans les facultés, il y avait une tradition, il y avait un esprit de club. Et aujourd'hui, les grands clubs universitaires dans le civil, ils n'existent quasi plus. On cite encore le PUC, mais le Loup, le BEC, le SBUC à Bordeaux, tout cela, qui est une force du sport français, ils ont quasiment disparu en tant que tel. Et curieusement, devant Monsieur le directeur, je vais dire que les professeurs d'éducation physique étaient formatés pour le handball. Ce qui fait que le handball français a été grandi et a aspiré cette pratique universitaire du handball qui a été le sport collectif le plus pratiqué pendant de longues années. Maintenant, on est en train d'orienter, j'espère, notre jeunesse vers d'autres disciplines, mais on remarque quand même que le handball a un soutien universitaire exceptionnel qui vient des scolaires. Merci beaucoup, messieurs. On continue à parler du sport scolaire dans notre troisième partie. Restez avec nous, on va recevoir Candice Prévost, ancienne footballeuse. Restez avec nous, à tout de suite. De retour dans Campus Sport avec nos consultants Pierre Fula et Jean Dury. Laurent Petrinka, vous êtes directeur national de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Et nous accueillons Candice Prévost. Salut Candice. Bonjour. Consultante Eurosport pour le football. Et puis aujourd'hui, vous êtes surtout sur ce plateau en tant que directrice adjointe nationale de l'UNSS. Bonjour à vous, bienvenue. Merci beaucoup. Parce qu'on est dans Campus, on ne pouvait pas passer à côté d'un de vos plus merveilleux souvenirs sportif, paraît-il. Je parle des Universiades de 2009. Oui. Vous pouvez nous en parler. C'était vraiment ma plus belle, expérience humaine, en tout cas. Après, en termes de niveau, c'était moindre que l'équipe de France A, mais c'est une aventure humaine et de haut niveau également, puisque c'était quand même l'antichambre des A. Et le niveau de la compétition était aussi vraiment très relevé. Donc l'ensemble faisait que c'était vraiment une aventure humaine et exceptionnelle et d'un très bon niveau aussi. Ah oui, alors on rappelle votre carrière, ancienne joueuse de foot, 4 sélections en équipe de France. Aujourd'hui, vous êtes prof de PS. Oui, toujours le statut de prof de PS, mais maintenant à l'UNSS. Directrice adjointe de l'UNSS. Justement, c'est avec cette casquette-là que je vais vous poser ma prochaine question. Quelle est votre mission, justement, au sein de l'UNSS? Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous défendez? Alors, je défends beaucoup de choses, notamment des dossiers sportifs comme le tir à l'arc, le golf, la natation, le water polo, le basket. Donc là, on est loin du football. Voilà, on est loin du football, mais...
Mais après, c'est tout aussi enrichissant. On travaille un petit peu avec les fédérations justement respectives de ces dossiers-là. Et je suis aussi en charge de développer le handicap, le handisport, le sport partagé, comme on l'appelle aussi à l'UNSS, mais pas que, puisqu'on va forcément aussi l'ouvrir avec l'UNSS sur une filière handi. Donc, voilà. Alors, je pense qu'il y a différentes missions délicates. Vous parliez sport handicap, mais aussi développer peut-être le sport dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Alors, la mixité, la féminisation aussi. Tous ces thèmes-là font partie, bien sûr, des missions de l'UNSS, et pas que, et le développement durable, la santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes. La mienne, elle est centrée essentiellement sur le handi et c'est une vaste mission et je suis vraiment... Qu'est-ce qui est difficile justement à défendre? Il y a des barrières à faire tomber, des mentalités à faire évoluer. Ce thème-là n'est pas simple déjà dans la société actuelle et y a beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de, justement, comme vous le dites, beaucoup de barrières à faire tomber. Mais bon, c'est pas ce qui nous fait peur. Donc là-dessus, on a de quoi faire, on a des aides d'un peu partout, des fédérations handisport et du sport adapté également. Donc on travaille avec les bonnes personnes aussi. Comment est-ce que les chefs d'établissement réagissent aux questions matérielles posées par le handisport scolaire? C'est toujours la première contrainte d'accueillir avec, en termes de structure d'accueil et en termes d'équipement. C'est le premier problème à essayer de résoudre. Ce sont essentiellement les établissements spécialisés qui travaillent beaucoup et qui font partie des licenciés, mais pas que. Après, il y a des aides de la direction nationale pour justement... permettre de créer des événements en e-sport, sport partagé. Parce que nous, on parle beaucoup de sport partagé, oui. Parce que c'est le mélange entre élèves en situation de handicap et mélange avec équipe un élève valide. Donc c'est vraiment cette richesse-là qu'on souhaite développer, mais pas que. Vous êtes penché sur le dossier de la féminisation du sport scolaire. On donnait un chiffre tout à l'heure, 60% de garçons, toujours plus de garçons que de filles. Est-ce que c'est plus facile de sensibiliser les filles au collège, lycée, quand on est une ancienne footballeuse, qu'on a évolué pendant des années dans un milieu masculin? C'est vrai que ce n'était pas forcément facile, mais je me suis amusée justement avec mes anciens élèves, mes anciennes élèves, puisque j'ai créé une section futsal féminin. Ce qui était assez sympa, puisque la découverte de ce sport-là ne s'est pas bien fait quand je les ai mélangés avec les garçons, puisque ce n'est pas du tout les mêmes motivations. Les garçons ont la culture football, les filles ne l'avaient pas, donc elles étaient plus dans un esprit de découverte. Ils voulaient mélanger, ça ne marchait pas forcément très bien, donc j'ai décidé de les séparer, de faire une heure et demie avec les filles, une heure et demie avec les garçons, et c'était une vraie réussite, avec notamment le projet football des princesses, développé par la Fédération française de football. Et vraiment, humainement encore une fois, et même sportivement, parce qu'elles ont vraiment apprécié, elles se sont éclatées à faire du futsal au collège. Certaines ont continué, Un club à côté, oui, forcément, elles ont brillé après derrière dans les clubs. C'est vrai que c'est l'idée. Oui, par rapport à la féminisation dans le sport, nous avons, j'allais dire, 15 ans de retard par rapport aux pays scandinaves. Par rapport aux pays anglo-saxons. Je ne sais pas pourquoi, ça a démarré très tard. Jean Dury, l'historien, peut le dire, mais franchement... C'est la culture. Hein, la culture du sport au féminin, de compétition, et puis ensuite de la pratique scolaire, ça freinait, on ne sait pas pourquoi. Mais on ne va pas revenir à ce problème sociologique qui agite notre... monde actuellement, qui est la culture des petites filles et la culture des petits garçons. Les petits garçons seraient les seuls à aimer la compétition, le sport, etc. Effectivement, tout ça, ça nous paraît complètement dépassé. Et en parlant du futsal, vous avez rejoint, là encore, la Fédération internationale du sport universitaire, qui a été précursrice, si on peut employer cet adjectif, en popularisant le futsal, qui a son championnat du monde universitaire depuis longtemps. Laurent Petrinka. Il y a plusieurs moyens de féminiser une fédération. Mmh. D'abord, il y a le sujet des instances. Et nous, on fait en sorte que dans nos instances, mais aussi dans toutes les directions, départementales et régionales et nationales, Candice en est l'exemple, il y a des filles qui puissent arriver aux responsabilités ou des femmes. Et là, on a démontré, nous, dans plusieurs grandes régions de France,
de l'UNSS, je pense à Lyon, je pense à Dijon, je pense aussi à d'autres régions, où on a mis des femmes aux responsabilités. Ça, c'est le premier sujet, et ça, c'est une pratique volontariste. Le deuxième sujet, c'est de féminiser ce qui n'est pas d'habitude féminin. Nous, on a fait en sorte de rendre mixte obligatoirement dans nos championnats de France des disciplines. Donc on fait par exemple le badminton, on le fait en mixte, le VTT, on le fait en mixte, la course d'orientation, on le fait en mixte. Ça secoue un petit peu parce que d'habitude, c'était l'équipe de garçons qui allait et il n'y avait peut-être pas l'équipe de filles. Alors justement, quelle est la réaction des élèves? La réaction, elle est simple. Comme c'est le professeur qui était habitué à avoir son équipe de garçons et chaque année se qualifier pour les championnats de France, celui-là, ça le secoue un peu et il nous écrit pour être en étant mécontent. Mais ça, c'est pas grave. Le professeur de PS. Oui, il est mécontent puisque vous, d'un seul coup, vous rendez la mixité obligatoire. Et donc, nous, on prend notre responsabilité là et on explique que là, on fait rentrer des demoiselles au moment où la porte était fermée. Donc, on rend mixte, comme on le fait d'ailleurs en sport partagé. Aujourd'hui, en tennis de table, les équipes sont à la fois valides et non valides et elles jouent ensemble. Donc ça, forcément, si on passe par les règlements, ce que ne peuvent pas faire toujours les autres fédérations, nous, on l'impose dans nos règlements et ce qui fait qu'on assume cette responsabilité. Juste, je profite là-bas le rebond parce que je pense qu'un jour, la Coupe Davis sera mixte. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire une Coupe Davis masculine et une Coupe Fed Cup, féminine. Je pense qu'un jour, il y a une compétition mixte et ça aura beaucoup plus d'attrait. Je pense. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean ? Ça ne me paraît pas évident, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que dans les grands tournois, le double mixte est relégué très, très, très loin dans l'ordre des valeurs. À Roland-Garros, on ne sait même pas qui gagne. C'est tout de même tout à fait choquant, parce que quelqu'un comme Suzanne Lenglen, elle a gagné Wimbledon en simple femme, en double femme et en double mixte. Voilà. Justement, je voulais vous poser la question par rapport aussi. Je crois que vous êtes élu à la Ligue de football amateur. Oui. Quel est votre rôle? Et est-ce que vous cherchez aussi, dans ce cadre-là, à développer le foot pour les filles? Oui. Je fais partie de plusieurs commissions, justement, une commission de féminisation et une commission scolaire et universitaire. Donc, on est en plein dans le thème, justement. Et l'objectif est de faire le haut-parleur vers les ligues et les districts des actions menées par la Fédération française de football et vraiment aussi au niveau de la ligue de football amateur. Donc concrètement, ça donne quoi sur concrètement, le terrain. Là par exemple, demain je vais visiter la Ligue du Nord et puis on va aller faire un bilan avec ces membres-là pour parler de leurs actions sur la féminisation et pas uniquement, puisque on va parler aussi des contrats d'objectifs que la LFA développe pour les ligues, etc. C'est vrai que c'est une mission assez périlleuse dont je prends un peu connaissance des tenants et des aboutissants. C'est pas forcément très simple à bien comprendre, mais au niveau de la structure de la Fédération française de football, j'apprends énormément. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont les parents. Alors, parce que quand même... Oui. Les parents ont une influence sur leurs enfants, pour l'instant encore, je ne sais pas jusqu'à quand. Ça veut faire bouger les choses? Je ne sais pas, mais est-ce qu'eux-mêmes ont déjà une culture de dire « tiens, ma fille va faire du foot » Ça interpelle. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire du foot, elle me dit « tu ne veux pas faire de la danse ?» Ben oui, ou de la gymnastique rythmique. Ouais. Hein? Donc, j'avais alpagué certains parents justement pour les inscrire dans un club, dans une section féminine, dans un club, justement, parce que j'avais en charge. Et tout de suite, c'était assez... Je m'en vais. Non, pas de football pour ma fille. Aux parents qui apprennent que leur fille va faire de la boxe aujourd'hui ou de l'haltérophilie, avec l'image que l'on a de ces sports, bon, violents, un petit peu pour la boxe, et haltérophilie, pure et dure, hein, je veux dire, bon, c'est gaillard. Il y a des parents qui doivent être réticents pour les engager vers ce chemin-là. N'oublions pas ce magnifique film anglais où le père veut que son fils soit boxeur et lui veut être danseur. Ouais. Wow, c'est magnifique. Avant de se quitter, notre bibliographie avec vous, Jean Durie. Aujourd'hui, on parle de la revue des sports. Le troisième numéro vient de paraître. Effectivement, on a déjà recommandé le lancement dans le contexte sport-culture et le sport une culture. Et là, le troisième numéro qui vient de sortir a un sommaire somptueux. Oui, Vladimir Nabokov est au générique, comme un entretien avec Woody Allen, comme des textes de Chambaz ou de Frédéric Roux, et puis une rencontre Mohamed Ali-Fidel Castro qui vaut le détour des sports. On
On le recommande donc, la revue des sports. C'est la fin de ce numéro de Campus Sport. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois. Merci à vous quatre. Merci Candice merci. Prévost. Merci Laurent Petrinka, directeur de l'UNSS. On se retrouvera avec vous, Pierre Fula, et vous, Jean Durie, dans un mois, avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. Un grand merci à François Delmotte pour la rédaction en chef et aux équipes techniques de Jean-François Biotois. Et puis, avant de se quitter, comme toujours, les bons mots. Cette fois-ci, les bons mots sont signés de Jean Zé, ancien ministre de l'Éducation qui rentre au Panthéon et qui écrivait « Les hommes qui ne rêvent point perdent un tiers de leur existence ». Je vous laisse méditer ces bons mots. En tout cas, bonne fin de soirée sur Eurosport. Everyone's feeling pretty. It's so tough than July. Through the world, through the problems, they could don't touch and even try. From the path at your rhythm, Molly's hold on the bars. Tonight there will be a part.